Bonjour, je m'appelle Richard Montilic, j'ai 36 ans, je suis photographe freelance. Mes domaines de prédilection dans la photographie sont la photographie conceptuelle, la photographie urbaine, la photographie de nuit, et dans le cadre de ce livre, l'autoportrait. C'est l'accessibilité de l'autoportrait. Que ce soit quelque chose qui soit simple, qui peut avoir de multiples, comment dire, de multiples interactions et où en fait c'est l'individu qui va se photographier, c'est le photographe qui va décupler les domaines que l'on peut aborder avec avec l'autoportrait. En fait, c'est une phrase qui intervient au tout début du livre, directement sur la partie technique. Et en fait, elle illustre un petit peu ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Le fait est que, sauf à devenir subitement un inconditionnel fanatique passionné par l'autoportrait, nul n'achètera un appareil photo expressément pour cet art. Si cela était le cas, il existerait sans doute des appareils photo pour autoportrait, comme il existe des appareils photo pour le photojournalisme, pour l'architecture, la publicité. En fait, on rejoint avec l'autoportrait, on rejoint complètement ce qu'a évoqué, enfin, en tout cas, ce photographe est connu pour ça, il s'appelle Chase Jarvis, et c'était en fait, il n'y a pas le meilleur appareil photo qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on a avec nous. Et pour moi, l'autoportrait, voilà, on est exactement dans ce sujet-là. Pour moi, on est plus sur un mix. Ça pourrait être un set de DJ, où en fait on a un même morceau qui est en fait composé de multiples tempos, de mélodies très différentes. Et en fait on a un fil conducteur qui permet de relier tous ces morceaux différents ensemble. Et pour moi le livre est ça. Enfin, les livres représentent ce mariage, cet arc-en-ciel. Au travers des ateliers où voilà, on a vraiment des personnalités très différentes, des regards, des sensibilités extrêmement différentes et on va avoir voilà, un arc-en-ciel de tout ce qu'on peut faire avec l'autoportrait. C'est que l'envie de faire la photo doit être à la base de tout. Et surtout de ne pas se créer de frein psychologique à faire de la photo. Et l'autoportrait pour ça est le domaine parfait. Faut pas avoir peur de faire de la photo. Faut pas se bloquer à cause de la technique. On ne sait pas ce que c'est les ISO, on ne sait pas ce que c'est la sensibilité, le temps de pose, l'exposition, on ne comprend rien. C'est pas un souci. Avant tout, dans l'autoportrait, c'est l'idée qui va porter le sujet. C'est le sujet qui est le plus important. La technique est juste là pour vous aider un petit peu à rendre ça plus joli. Mais avant tout, c'est l'idée qui est là. Donc soyez créatif, essayez, tentez les choses, n'ayez pas peur du ridicule. Moi, je suis ridicule à longueur de temps en faisant mes autoportraits et c'est souvent quand on exclut cette peur du ridicule qu'on fait sans doute le travail le plus intéressant. Donc, essayez, continuez, essayez à nouveau et pratiquez, pratiquez, pratiquez. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire.